Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test de matériel. La marque Artix a eu la gentillesse de me faire parvenir cette boîte de 48 marqueurs acryliques. Donc vous pouvez la trouver sur Amazon actuellement à 48,99 €. Et donc voilà, on va avoir des marqueurs avec des pointes de 3 mm et un grand choix de couleurs. Du coup, on va tester ça ensemble, c'est-à-dire que d'abord, je vais faire le nuancier avec vous et ensuite, je vous propose qu'on les essaye tout simplement dans un livre de colo mystère, voilà, histoire de voir un petit peu comment ces marqueurs réagissent. Alors, on va découvrir ce que cette boîte contient ensemble, puisque je ne les ai, j'ai même pas encore ouvert ni rien. Déjà, comme vous pouvez le voir, on a des petites pointes de rechange. Ça, c'est vraiment pas mal parce que bon, bah, parfois, les pointes commencent à être bien usées. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir les pointes de rechange. On a donc là tous les marqueurs. J'espère qu'ils sont déjà un peu classés. Allons voir par rapport au nuancier derrière. Là, oui, on a l'air de partir sur donc déjà les teintes un peu... silver, or, tout ce qui est un peu jaune et tout. Est-ce que ça a l'air de correspondre? Ouais, peut-être. Alors, je ne sais pas si là vous pourrez voir. Ouais, non. En fait, dans le fond, vous avez hein, des petits racks plastiques. Voilà, vous voyez peut-être un peu qui permettent au marqueur de tenir debout. Les marqueurs se présentent comme ceci, donc ils sont assez larges, hein, franchement, niveau taille c'est pas mal. Vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, des pointes 3 mm. Et on a donc ici la référence, hein, enfin le numéro de chaque couleur. Je regarde, il n'y a pas l'air de l'avoir après sur le corps, ouais, c'est vraiment sur le bouchon, bon comme... on peut les laisser comme ça debout dans la boîte. C'est vrai que du coup, rapidement, en un coup d'œil, on peut du coup voir le numéro. Donc ça, c'est bien pratique. Ce sont des marqueurs type un peu Posca, c'est-à-dire que vous allez secouer la peinture qui est à l'intérieur pour que, enfin voilà, la petite bille va mélanger tout ça. Et ensuite, eh bien, il va falloir appuyer la pointe pour activer le tout, pour que la peinture descende et pouvoir utiliser le marqueur. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque moi, de chez Artix, j'ai déjà d'autres packs de marqueurs acryliques, mais ceux-là, pas du tout. Donc, du coup, je vais les découvrir et voir si ça peut être intéressant pour mes colos mystères. Entre autres, hein, puisque les marqueurs acryliques, je ne les utilise pas que dans les colos mystères. Mais voilà, là, je voudrais faire un test là-dedans. Donc, je vais sortir ce qu'il me faut et on va réaliser le nuancier. Alors, je vais vous le mettre en avance rapide. Et après, je vous prendrai pour vous montrer ce que donne le nuancier, qu'on voit un petit peu toutes les teintes. Et puis, surtout, pour tester le tout dans un colo. Voilà, donc le nuancier est terminé. On voit que au niveau côté couvrant, c'est plutôt pas mal, même au niveau du jaune, hein, puisque les carreaux de ma fiche cartonnée ne ressortent pas vraiment. Clairement, il y a des endroits, ça ressort absolument pas. Des endroits, bon, au niveau du jaune, un petit peu, mais je n'ai mis qu'une seule couche.
Donc vraiment, à ce niveau-là, pour le moment, ça m'a l'air plutôt intéressant. Au niveau des couleurs, bon, bah, comme d'hab, hein, on a pas mal de choix. Pour une fois, je suis contente. Il y a l'air d'avoir quand même plutôt une belle palette de rose, mauve. Enfin, ça me plaît bien. Après, voilà ce qu'on a encore en couleur. Alors, petit truc, ici, j'ai un petit bug. Hein, donc, on a deux teintes fluo. Donc QF1 et QF4. Normalement, cette teinte aurait dû être là et ce marron-là, le Q685, aurait dû être là. Mais dans ma boîte, en fait, ces deux marqueurs étaient inversés. Moi, j'avais rien touché. Hein, j'ai fait dans l'ordre du nuancier indiqué à l'arrière de la boîte. J'ai sorti au fur et à mesure mes marqueurs. Et je me suis rendu compte, là, quand j'ai mis la couleur, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on a ça là direct? Après, je me suis dit, peut-être que on aura après d'autres couleurs fluo, des couleurs un peu métalliques et tout. Mais non, en fait, on a deux teintes fluo et celle-là aurait dû être ici. Bon, je ne me suis pas amusée à refaire le nuancier complet. J'ai inversé. Donc, QF1 correspond bien au jaune fluo et Q685 à cette teinte brune. Mais comme je vous dis, cette teinte aurait dû être ici et le jaune ici. Bref, ça c'est pas grave, ce sera à moi de me débrouiller. Sinon, voilà, je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est vraiment top. J'aime bien le fait que là on ait ces deux teintes un peu beige et tout qui peuvent être très intéressantes. Donc, ouais, les couleurs me plaisent plutôt bien. Je trouve qu'on a, on a quand même pas mal de choix, hein. Même au niveau des bleus, on a du bleu bien clair, on en a du un peu plus foncé. Bon, il manque peut-être un bleu très très sombre, mais bon. C'est pas mal au niveau des verts, voilà, on a du vert plus flashy, après du vert un peu plus sombre. Pareil, peut-être il aurait fallu un vert vraiment bien foncé, mais encore, bon, celui-là est pas trop mal. Mais voilà, niveau couleur, c'est plutôt cool. Le noir, il est juste top. Et même le blanc est pas mal, hein. Regardez, j'ai mis qu'une couche et on voit pas à travers là les carreaux. Et donc en version métallique, on va avoir l'argenté et le doré. Voilà. Donc là, au niveau du nuancier, il me reste à le plastifier pour pouvoir le ranger dans ma boîte. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donc tester certaines des couleurs dans un colo mystère. Alors pour ça, j'ai sorti ce livre en fait que mon chéri m'a offert pendant les vacances. Donc le saison, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Et là, j'ai déjà préparé. Voilà, les contours d'une illustration. Alors, du coup, je suis tombée sur Dingo, qui va être sûrement en version de Noël, puisque là, on a les petites feuilles de gui ou de houx, je sais jamais. Pourquoi j'ai pris cette page-là, hein? D'habitude, je prends au hasard. Là, j'ai un peu cherché pour voir au niveau là des teintes, en me disant, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des teintes, donc je vais pouvoir certainement trouver des couleurs à utiliser dans cette pack, dans ce pack pardon, de chez Artix. Voilà. Je me dis par exemple là le C, le D, il y a quand même pas mal là de teintes violettes, donc il doit y avoir moyen. Et c'est plutôt cool parce que en plus je craignais de tomber sur des petites zones à mettre en couleur et donc que ce soit un peu galère. Non, là par exemple la grenouillère de notre bébé Dingo. Ça va pas être compliqué, hein, c'est assez large, donc ça devrait le faire. Du coup, je vais voir, je vais pas faire le colo en entier, hein, je vais voir pour essayer de trouver deux trois teintes qui puissent correspondre à ces marqueurs de chez Artix et les tester là-dessus avec vous. Alors du coup, on va justement commencer par mettre en couleur la grenouillère. Donc il va me falloir deux teintes vertes pour faire le i et le J. Bon, du coup, pour que ça puisse aller là-dedans, je vais prendre le Q520 et le Q528 et faire avec ça la grenouillère. Donc là, on va commencer par la teinte la plus claire, hein. Donc, je vous le rappelle, vous avez ici la référence, le numéro de la couleur. On secoue bien et on va activer le marqueur. Donc là, on commence par la lettre I. Alors, je vais commencer par où? On va commencer ici, hein. Voilà. Là. Et ça s'arrête ici.
Alors, ce qui va être pas mal, c'est que là, comme je suis en pointe moyenne, pour remplir là ma zone, ça va être, je pense, assez rapide. Ici, et je vais faire le contour là. Alors, je vous avoue que je galère un peu parce que je suis en train de regarder à travers le téléphone qui est juste au-dessus. Donc, c'est pas évident là pour voir ce que je fais. Et maintenant, plus qu'à remplir. Niveau début de peinture, c'est plutôt pas mal, hein, ça coule bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention là pendant que je faisais le nuancier, mais même pour activer les marqueurs, il y a des fois c'est une galère, on n'arrive pas, ça ne veut pas, la peinture ne coule pas. J'ai pas eu de difficulté, ça s'est fait très très vite. Voilà, donc là j'ai fait une partie, comme vous pouvez le voir, il y a des marques, hein, mais je mets toujours deux ou trois couches de marqueurs acryliques sur mes zones quand je fais un colo mystère. Alors, je remélange aussi assez régulièrement. Ensuite, on va faire la partie là. Comme vous pouvez le voir, hein, ça coule super bien, il n'y a pas de souci. Je regarde, ça va être là. Voilà, donc là j'ai fait une autre partie, je mettrai donc une autre couche. Je pense que je vais vous faire après là un petit peu en avance rapide, hein, parce que sinon ça va mettre des plombes. Et comme ça on mettra une autre couche, on fera la teinte plus foncée ensemble. Là, j'ai mis ma première couche, on va en mettre une deuxième. C'est vraiment bien parce que là, je peux faire une grosse surface assez rapidement. Voilà, là, j'aurai déjà mis la deuxième couche. On verra si j'en mettrai une autre ou pas. Ça va rester comme ça. Je ne sais pas du tout si je vais remettre une autre couche ou pas. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, là on voit des marques, mais c'est pas sec, donc on verra. Maintenant je vais faire toute la partie avec les J. Du coup, il y en a là déjà. Comme vous pouvez le voir, je passe un petit peu sur mes traits noirs, mais ce n'est pas un problème parce que je les refais toujours à la fin pour qu'ils ressortent un peu mieux.
Je remets toujours une couche sur les traits noirs à la fin. Il est très joli ce vert. Ouais, j'aime vraiment bien le fait de pouvoir faire là comme ça des grandes zones assez rapidement. C'est sûr que c'est pas forcément ces marqueurs-là que je prendrai hein, pour faire des petits détails parce que la pointe sera trop grosse. Mais là, pour des parties assez larges, c'est cool. Je peux aller bien plus vite que si j'avais des pointes plus petites. Bon, je vais vous mettre en avance rapide pour faire le reste du verre. Une fois que la grenouillère sera faite, on vérifiera à l'arrière que ça n'est pas traversé. J'ai mis ma première couche avec la teinte là. Comme vous pouvez le voir, hein, franchement, on ne voit plus les lignes à travers, donc c'est vraiment top. Mais bon, je vais quand même mettre une deuxième couche, histoire qu'on voit moins les traces que j'ai pu faire avec le marqueur. Donc là, j'ai mis les deux couches à chaque fois, que ce soit pour le vert clair ou le vert foncé. Bon, le vert foncé n'est pas encore totalement sec, mais c'est plutôt pas mal, hein. Bon, ça couvre très très bien, hein. Même avec une seule couche, c'était déjà bien. Mais là, avec deux couches, je trouve que ouais, c'est pas mal, on ne voit pratiquement pas de marque. Après, comme je vous dis, là, on voit encore un petit peu, mais c'est pas complètement sec. On va regarder. À l'arrière, ça n'a pas traversé. Bon, le papier, comme vous pouvez voir par endroit, est encore un peu gondolé puisque ce n'est pas sec du tout, mais ça n'a pas bougé, pas traversé, donc c'est top. Voilà, donc là, je pense qu'on va tester encore une couleur pour voir. Là, je vois qu'il faudrait du gris clair. Est-ce que là-dedans, non, j'ai peut-être pas un gris qui pourrait correspondre. J'aurais bien aimé tester. Par exemple, un jaune ou un truc comme ça, mais je sais pas. Non, ah bah non, oui. J'étais un peu bête, j'ai quand même pas pris avec du jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Oui, j'avais dit là dans les violets. Voyons voir. Si je prenais, ouais, celui-là, là. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je vais prendre le 300, Q328 pour faire ce qui est C. Voyons voir, les C, où est-ce que j'en ai? Ah d'accord, c'est en haut au niveau du fond. Il y a toute une partie là. J'ai bien gardé là mes verres hein, parce qu'il y a le cadeau là, le paquet qui a l'air d'être en vert. Mais je voulais tester une autre couleur avec vous. Donc on va essayer ici de voir pour le fond. Je regarde vite fait. On a toute, ouais, toute la partie là. En fait, c'est toute la même teinte. Donc j'ai dit que je prenais le 328. Il est où? C'est celui-là. Et donc on va essayer pour voir ce que ça donne. Vu que c'est pas non plus un violet hyper foncé. Alors je vais peut-être pas faire toute la zone directement là comme ça avec vous, hein. Sinon ça va être long. Donc, on va faire un bout ensemble. Après, je mettrai la vidéo en avance rapide et on regardera
le résultat, mais je pense que même cette teinte-là, il n'y a pas de souci, elle va bien couvrir. C'est vraiment top, ça va super vite là pour une zone comme ça. Donc là, j'ai mis juste une couche, hein, donc on voit énormément de marques. Encore une fois, c'est pas sec du tout. Mais je voulais vous montrer, on a beau partir sur une couleur plus claire, on ne voit pas les lignes à travers. Donc là, il me reste à mettre une deuxième couche quand ce sera un peu sec pour vraiment camoufler toutes les marques que j'ai pu faire. Mais franchement, c'est top parce que je suis allée super vite pour faire cette très grosse zone. Et le fait que ça couvre bien, j'aime beaucoup. Bon, on voit qu'il y a des endroits hein, où il manque un peu de peinture. Je ne suis pas bien passée. Mais voilà, je vais mettre la deuxième couche et ça devrait le faire. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'essaye de mettre un peu en biais pour que peut-être vous puissiez voir. Au niveau des marques, ça va. Bon, ici, j'ai mis la deuxième couche. Encore une fois, elle n'est pas totalement sèche. Donc, on voit encore un peu de traces. Et en plus, quand j'ai voulu regarder derrière, ça n'avait pas traversé. J'ai fait une tache là. J'ai trop penché ma feuille, mais bon, c'est pas grave. J'ai regardé sur le colo là. La partie là, ce sera un violet foncé. Donc en fait, ça va camoufler. Mais voilà, je trouve que ces marqueurs, ils sont vraiment pas mal là pour pouvoir faire du colo mystère. Il n'y a pas de souci. Regardez là, au niveau des traces, on est tranquille quoi. Et je n'ai mis que deux couches alors que parfois j'en mets au moins trois. Bon, là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et je verrai si j'ai besoin de remettre ou pas encore une autre couche. En tout cas, ça couvre bien. Le débit de peinture est top. Bon, le petit truc que j'apprécie beaucoup, déjà, bon, c'est le look, hein. Là, je trouve ça super joli, cette petite mosaïque, on va dire, directement sur les marqueurs. Mais le truc que j'aime beaucoup, c'est que malgré le fait d'avoir mis de la déco sur le marqueur, Artix a eu la bonne idée de nous laisser là une bande pour que l'on puisse voir ce qu'il reste en peinture. Voilà, ils auraient pu tout recouvrir. Non, ils ont quand même eu la bonne idée de nous laisser une bande. Donc ça, c'est chouette. Voilà, comme vous pouvez voir là, pareil, on a la bande. J'aime bien le fait d'avoir directement la référence sur le bouchon. Ça, c'est top. Ça m'évite, moi, de devoir remettre des étiquettes. Et souvent, je mets, moi, les étiquettes sur les bouchons, justement. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai une bonne dose de marqueurs qui sont morts et que je refais une commande, si là par exemple un jour je rachète cette boîte pour remplacer certains marqueurs, je n'aurai pas besoin de m'embêter. Je reprends le bouchon, je le mets sur le nouveau et c'est bon. Donc là, bon, dans tous les cas, je ne m'embêterai pas puisque le numéro y est directement. Mais voilà, pour les fois où il n'y a pas les numéros, ben moi je mets le numéro sur le bouchon comme ça, hop. Je le prends de l'ancien, du marqueur qui est mort et je le remets sur le marqueur neuf et j'ai pas besoin de refaire toutes les étiquettes. Voilà. En plus, bon bah là, comme le but c'est de mettre les marqueurs debout dans la boîte, c'est top, je trouve, d'avoir directement tous les numéros bien visibles. Voilà, donc franchement, pas de souci. Je trouve que voilà, le résultat est là. Comme je vous dis, je repasse toujours à la fin hein, mes traits, puisque là vous voyez bien que les traits noirs on les voit c'est plus net du tout. Je pense que ce coup-ci, au lieu de repasser comme je le fais d'habitude avec voilà, ce matériel-là, c'est-à-dire mes Faber-Castell-Pitt, bah, je prendrai certainement, il est où? C'est celui-ci. Voilà, le marqueur Artix noir, parce que bah, comme ça coule bien, toute cette partie-là va être très rapide à faire. Pareil, là, pour le nez, ça ira super vite. Après, bon, à voir, peut-être que pour les contours fins, je prendrai un Artix noir d'une autre gamme, parce que, bon, bah, je ne suis pas hyper douée pour faire de la précision avec une pointe aussi grosse. Mais voilà. Là, ce que je vais faire, c'est terminer mon colo. Je vais essayer d'utiliser le maximum de ces marqueurs là. Voilà, donc du pack des 48 acryliques marqueurs de chez Artix en pointe 3 mm. Donc je pense que je vais essayer voilà, de mettre le maximum de couleurs
avec ces marqueurs-là, maintenant, je sais qu'il y a des couleurs où je n'aurais pas forcément, bah, par exemple, là, hein, le gris qui est assez clair. Si on regarde, en gris, on a celui-ci et celui-ci. Ça ne va pas coller, ce n'est pas ce qu'il me faut. Donc, je prendrai, j'ai d'autres boîtes hein, de marqueurs acryliques Artix. Je prendrai dans ces boîtes-là pour compléter les quelques teintes que je n'aurai pas pour faire le colo. Mais voilà, je vais m'occuper de le terminer et je vous le montrerai vite fait pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc du coup, j'ai fait le coloriage en entier. Donc, on a notre petit dingo qui est en version Noël. Hein. On a les paquets. Là, on a le... Alors, encore une fois, le gui, le ou, je ne sais jamais plus lequel est rouge. Pour faire ce colo, donc, je l'ai fait entièrement au marqueur acrylique Artix. J'ai utilisé en grosse quantité, on va dire à 80%, donc cette boîte de 48 marqueurs que je viens de vous présenter. Et pour compléter, puisqu'il y avait 2-3 couleurs où je n'avais pas ce qu'il fallait, j'ai utilisé ma boîte des 60 marqueurs acryliques Artix, donc la boîte rose. Vous en avez aussi une bleue qui existe. Voilà, avec ça, j'ai pu faire mon colo et j'ai donc remis sur le noir, hein, un coup de marqueur acrylique noir de la boîte des 48. Voilà, donc ça m'a permis de faire tout le colo et je trouve que bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, là, il faut que je l'aplatisse, que j'aplatisse le livre parce que bon, ça a gondolé et donc on a l'impression qu'il y a un peu des marques. Mais non, en fait, c'est vraiment le papier là qui est un peu gondolé. Mais sinon, je trouve qu'au niveau, de la qualité des marqueurs, il n'y a pas trop de soucis, j'ai pas vraiment de marque. Voici, j'ai peut-être là sur le paquet une petite trace, il faudrait peut-être que je remette une couche, mais sinon, on n'a pas trop de marque sur mon colo. Donc, je suis bien contente, ça a été top. En plus, franchement, pour toute la zone là, tout le sol, le fait d'avoir des marqueurs comme ça avec une pointe 3 mm, ça a été d'enfer. Ah ouais, là, ça a été vraiment très très rapide, donc ça c'est cool. Donc maintenant, je saurai que quand j'ai des grosses surfaces comme ça à faire, je prendrai ces marqueurs-là parce que vraiment, j'ai pu faire ça très rapidement. Encore une fois, je vous montre, il n'y a pas de souci, ça n'a pas traversé. Voilà, c'est juste un peu gondolé hein, parce que forcément, ça a fait de l'humidité. Donc là, j'ai plus qu'à mettre un poids sur mon livre pour que ça s'aplatisse. Mais vraiment ravie, donc... J'aime beaucoup ces marqueurs-là. Je ne suis pas fan au départ hein, des pointes 3 mm, mais là, pour mes colos mystères, j'ai trouvé ça d'enfer. Voilà. Après, je me dis que potentiellement, on va avoir la rentrée et tout. Je vais peut-être voir, vous savez, quand les gamins hein, ont des classeurs, parfois, il y a des profs qui demandent à faire des dessins, des choses comme ça, pour personnaliser un peu sur les... les intercalaires. Donc je me dis que je pourrais proposer à mon fils, hein, puisque c'est lui qui sera encore là au collège, de les utiliser pour pouvoir faire justement les motifs sur les intercalaires, parce que certains profs en plus veulent des intercalaires plastiques. Donc au moins là-dessus, ce sera plus simple qu'il écrive la matière et puis qu'il fasse un petit décor avec des marqueurs acryliques. Donc je pense que je lui proposerai d'utiliser ça. Donc voilà, vraiment bien contente. Après, vous pouvez les utiliser sur plein de surfaces. Hein. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais utilisé des marqueurs acryliques pour personnaliser des galets, hein, faire des petites pierres décorées. On peut les utiliser sur du verre, on peut les utiliser sur plein de choses, le bois et tout. Mais là, ouais, la rentrée approchant, si mon fils doit personnaliser des intercalaires, je vais lui dire de prendre ça. Voilà, bref, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous mets bien entendu dans la description le lien hein, vers ces marqueurs si ça vous intéresse. Vous pouvez me laisser vos petits commentaires. Dites-moi si vous avez déjà testé ces marqueurs-là ou alors quel autre type de marqueur vous utilisez. Moi, je suis vraiment contente d'avoir ce nouveau livre de coloriage mystère. Donc pareil, dites-moi, est-ce que vous l'avez? Est-ce que c'est un livre qui vous plaît? Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo et si ce n'est pas encore fait, pourquoi ne pas vous abonner? Dans ce cas-là, vous pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao !